Oui. Rick Anderson de First Edition. Il vous attend, par ici. Rick Anderson, j'avais hâte de vous rencontrer. Moi de même, monsieur Alexander. Pas de cérémonie entre nous. Appelez-moi Jack. Rick. Mettez-vous à l'aise, Rick. Je vais être franc. J'admire votre travail, du grand journalisme. Merci. Je pensais qu'on pourrait commencer par votre analyse de l'attaque de la Maison Blanche, avant d'aborder votre carrière de directeur du FBI. Rick. À moins que vous ne vouliez discuter politique. Rick. Désolé, mais cette interview a pour seul but d'évoquer un sujet bien particulier. Je regrette de vous avoir attiré ici sous un faux prétexte. Je ne pouvais pas risquer une fuite. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ne vous en faites pas, c'est le scoop du siècle. Si j'avais gagné un dollar à chaque fois que j'ai entendu ça... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tout a commencé par un petit incident dans un vignoble au Chili il y a quelque temps. C'était une affaire familiale, dirigée par Fernando Delgado et son fils Manuel. Des gens respectables et travaillant dur. Regardez le dossier. Bonjour 47. Votre prochaine cible se trouve au Chili. Son nom, Fernando Delgado, ancien colonel des services secrets de Pinochet, reconverti dans la fabrication de cocaïne, dans un vignoble. Selon les photos satellites, le complexe dispose... Agencias de noticias están informando que el gobierno ha firmado un acuerdo de extradición con Estados Unidos a cambio del documento firmado por el gobierno.